Dans mon peuple de Dieu, gloire au Seigneur, nous bénissons grandement le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordé d'être encore dans votre espace pour vous bénir. Je suis votre serviteur, apôtre J. Mananga du Royaume, le responsable de Kingdom Ministries. Nous bénissons grandement le Seigneur pour tout ce qu'il fait depuis que nous sommes là. Nous bénissons le peuple de Dieu et nous bénissons le royaume de Dieu. Nous sommes live sur DM5 TV et nous sommes aussi live sur Facebook. Tu peux aussi visiter notre page Facebook, taper Apôtre J. Mananga Ministries. C'est ma page officielle Facebook. Je reprends Apôtre J. Mananga Ministries. Gloire au Seigneur, visitez notre page. Il y a de merveilleuses choses dans notre page et qui sont vraiment une bénédiction pour quelqu'un. Gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, invitez vos amis, invitez vos abonnés. Dis-leur que l'apôtre J. Mananga du Royaume est déjà live sur DM5 TV et sur Facebook. Ce soir, on va se parler. Je vous dis la vérité, on va se parler ce soir. J'ai des choses apostoliques et prophétiques à communiquer avec vous. Raison pour laquelle je te dis, mon ami, donne-moi seulement 40 à 50 minutes de ton temps et je te garantis que quelque chose va se passer dans ta vie. Je crois, ce soir, Dieu va t'encourager, Dieu va te bénir et quelque chose va se passer dans ta vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Commence déjà à partager cette vidéo avec tes abonnés et avec tes amis. Invitez les amis, invitez les amis, invitez les amis. Dis-leur que l'apôtre J. Mananga a un message prophétique et apostolique pour toi. Gloire au Seigneur. Invitez même tes ennemis. Ils doivent écouter ce message parce que ce message que j'ai amené ce soir, c'est un message dangereusement dangereux. Un message qui va bénir ta vie massivement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais échanger avec vous, comme je dis. Si tu as besoin d'une prière, écris-moi. Je vais prier pour toi. Ou si tu as besoin des conseils, écris-moi. Je vais te conseiller. Ou si tu as besoin des commentaires, mets les commentaires, mets le j'aime, mets le cœur là rouge. Là, j'aime le cœur rouge. Là, quand ça monte comme ça, ça fait du bien dans le royaume. Gloire au Seigneur. Il faut toujours cliquer le cœur rouge là qui monte là. Ça fait du bien. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, je vais directement passer au message. Nous sommes en train de parler, notre grand thème, c'est transformer votre raisonnement. C'est ça notre grand thème. Mais la semaine dernière, je vous ai parlé d'un sous-thème intitulé « Utiliser votre cerveau ». Et aujourd'hui, je vais continuer avec « Utiliser votre cerveau » partie D. Et je crois par la grâce de Dieu, si Dieu me fait grâce ce soir, je vais clôturer cet enseignement. Gloire au Seigneur. Mais je vais un peu faire la rétrospective pendant au moins 10 minutes, pendant 10 à 12 minutes de ce que nous avons parlé. La semaine passée, la semaine dernière, nous avons parlé sur utiliser votre cerveau, partie 1. Gloire au Seigneur. Donc là-bas, je suis en train d'encourager le chrétien. Je suis en train d'encourager le pasteur, les hommes de Dieu, les serviteurs, servantes de Dieu, à utiliser votre cerveau. Parce que je dis ceci, Dieu nous a appelés pour être intelligents. Alors, pour être intelligent, il faut savoir utiliser ton cerveau. Gloire au Seigneur. Je vous ai dit ceci la semaine passée. Je vais parler rapidement avec cette rétrospective. La capacité de ton cerveau détermine la dimension de ta réussite. Je reprends encore parce que c'est un principe du royaume. La capacité de ton cerveau détermine la dimension de ta réussite. Alléluia. Donc si tu veux réussir dans une dimension élevée, tu dois savoir augmenter ou expandre la capacité de ton cerveau. Beaucoup de gens ne peuvent pas recevoir les grandes choses de la part de Dieu parce que leur cerveau, la capacité de leur cerveau est un peu en bas. Raison pour laquelle je suis venu te provoquer et te pousser à pouvoir développer, à expandre la capacité de ton cerveau pour que tu puisses aller dans une dimension que tu n'as jamais expérimentée. Mon ami, écoute-moi. Alléluia, gloire au Seigneur. La porte te parle ce soir. Nous avons débuté cette année. Et nous sommes au mois de décembre. Dans quelques jours, des semaines, je crois, nous allons clôturer cette année. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons débuter une année nouvelle 2019. Mais je dis déjà à quelqu'un, écoute, n'entre pas en 2019 dans la gloisse. N'entre pas dans 2019 en pleurant. Je voulais que tu entres en 2019 dans la gloire, en réjouissant et en bénissant le Seigneur. Et comment tu vas le faire? C'est en utilisant ton cerveau.
Peut-être les choses que tu as demandé à Dieu cette année, au mois de janvier, tu as demandé des choses à Dieu, que Dieu, avant la fin de cette année, j'ai besoin de voir ta main, j'ai besoin de voir ta gloire, j'ai besoin de voir ta grâce dans ma vie. Mais nous sommes presque à la fin de cette année. Est-ce que, ma question, est-ce que tu as expérimenté les choses que tu as demandé à Dieu? Mais ce soir, je vais t'aider pour que 2019 ne soit pas comme 2018. Que tu montes dans une autre dimension, dans un autre niveau que tu n'as jamais expérimenté. Gloire au Seigneur. Je vous ai dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu utilises ton cerveau, Dieu va ouvrir des portes dans ta vie. Et je vous ai dit ceci. Dans le domaine de l'argent maintenant, parce que c'est un domaine que j'avais attaqué la semaine passée. Et ce soir, je vais encore ajouter... Je vais encore ajouter une autre facette de ce message. Écoutez ceci. J'ai dit dans le domaine de l'argent, tu dois utiliser ton cerveau pour avoir de l'argent. Parce que tu ne peux pas être stupide, tu ne peux pas être insensé pour avoir de l'argent. Si tu veux avoir de l'argent, tu dois être intelligent. Tu dois avoir la capacité d'utiliser ton cerveau. Raison pour laquelle j'avais dit ceci. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que seulement à la prière et au jeûne que Dieu va les bénir. J'ai dit ceci, prier c'est bon, jeûner c'est bon. Dieu veut que tu puisses prier, parce que la Bible dit, prier sans cesse. Dieu veut que nous puissions jeûner. Mais dans le domaine de l'argent, gloire au Seigneur, Dieu veut que tu puisses utiliser ton cerveau. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas bénis financièrement, parce qu'ils ne savent pas comment utiliser leur cerveau afin d'attirer l'argent, gloire au Seigneur. Afin d'avoir l'argent, afin de gagner de l'argent. Tout ce qu'ils font, ils prient, ils jeûnent. Dieu donne-moi de l'argent, Dieu donne-moi de l'argent. Quelqu'un qui prie 40 jours, 50 jours, 60 jours de jeûne et prière, demandant à Dieu, Dieu donne-moi de l'argent. Mais je suis venu dire à quelqu'un que les jeûnes et les prières ne te donneront jamais de l'argent. Parce que depuis que je suis chrétien, alléluia, ce soir c'est dangereux. Depuis que je suis dans les choses de Dieu, depuis que je suis dans le ministère, ça fait 24 ans que je suis prédicateur. Ça fait 24 ans que je prêche Jésus, l'évangile. J'ai commencé très jeune à Kinshasa. De prêcher l'évangile de Jésus. Ça fait 24 ans que je prêche la parole de Dieu. Mais depuis mes 24 ans du ministère, je n'ai jamais vu quelqu'un devenir riche à cause des jeûnes et des prières. Je reprends encore. Je n'ai jamais vu quelqu'un devenir riche à cause des jeûnes et des prières. Je vous ai donné l'exemple de Bill Gates, l'homme le plus riche de la terre. Bill Gates n'est pas un intercesseur, Bill Gates n'est pas prophète, Bill Gates n'est pas apôtre, Bill Gates n'est pas évangéliste, Bill Gates ne va pas à l'église tous les dimanches, mais pourquoi il est l'homme le plus riche de la terre? Alléluia. Parce que Bill Gates, il sait comment utiliser son cerveau. Il a utilisé son cerveau, il a mis son cerveau à la disposition du monde et aujourd'hui, il est l'homme le plus riche. Et cela nous révèle que la richesse ou l'argent n'est pas par les prières et par les jeûnes. Mais la richesse et l'argent, c'est par... utilisant ton cerveau. Gloire au Seigneur. Mon ami, si tu veux devenir puissant, ou si tu veux avoir de l'onction, si tu veux avoir la délivrance, si tu veux avoir la force de vaincre les péchés, jeûne et prie. Si tu veux garder une bonne relation avec Dieu, jeûne et prie. Mais pour l'argent, les jeûnes et les prières ne te donneront jamais de l'argent. Parce que si les jeûnes et les prières donnaient de l'argent, sinon tous les intercesseurs dans nos églises seraient des millionnaires. Parce que des intercesseurs qui prient du lundi au dimanche, mais ils sont toujours pauvres. Lorsque vous allez par exemple en Afrique, dans mon pays par exemple le Congo, il y a des gens qui prient tous les jours, ils sont là dans la présence de Dieu. Ils montent dans des montagnes, ils créent des montagnes. Parfois ils sont mangengenge, lusizi, ils créent des montagnes. Malgré qu'ils prient dans des montagnes, lorsqu'ils descendent, ils sont toujours pauvres. Gloire au Seigneur. Et cela me révolte, gloire à Dieu. Parce que le temps que nous sommes, c'est le temps que Dieu va envoyer un réveil de la prospérité. Alléluia. Dieu va mettre l'argent dans les mains des chrétiens. Mais les chrétiens, vous devez savoir comment utiliser votre cerveau. Écoutez ceci. Nous prions, nous jeûnons, nous allons à l'église. Mais financièrement, pourquoi nous sommes pauvres? Beaucoup de gens aussi, dans leur dîme, dans leurs offrandes, je suis venu vous dire la vérité. Parce qu'il y a des pasteurs qui vous disent, donne vos dîmes, donne vos offrandes, et ils s'arrêtent par là. Il y a des gens qui donnent leur dîmes et les offrandes, mais ils ne sont pas bénis. Pourquoi? C'est la question que je me suis posée. Quelqu'un donne ses dîmes fidèlement. Quelqu'un donne ses offrandes fidèlement. Mais pourquoi il manque toujours de l'argent? Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que tout ce que le pasteur nous a dit, c'est donne ta dîme, donne tes offrandes, Dieu va te bénir. Mais j'ai donné ma dîme, j'ai donné mon offrande. Pourquoi je ne suis pas béni? Gloire au Seigneur. Parce que le pasteur ne t'a pas enseigné les comment.
C'est ça le problème. Les comment. Tu as donné ta dîme, tu as donné tes offrandes, tu as prié, tu as jeûné. Mais les comment recevoir la bénédiction financière. Comment avoir de l'argent dans mes poches. C'est le secret que Dieu m'a donné. Alléluia. Dieu m'a donné ce secret. Dieu m'a donné les codes. Comment avoir de l'argent. Alléluia. My God, écoutez ceci. Je voulais déjà faire une déclaration avant d'évoluer. L'année 2019, c'est une année dangereuse. Parce que nous avons déclaré l'année 2019 dans notre ministère, c'est l'année de la percée financière. L'année prochaine 2019, je vais parler que de l'argent. Vous êtes habitués de m'écouter parler du royaume. Mais l'année prochaine, je vais passer 90% de mon ministère par là que de l'argent. Parce que je veux voir les chrétiens riches. Je veux voir les chrétiens bénis. Je suis malade et fatigué de voir les gens venir à l'église prier, chercher la face de Dieu, mais ils sont toujours pauvres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Comme on dit à l'Igala, les gens prient, les gens gênent, mais ils sont toujours un piaka. Ce soir, je suis venu te provoquer. Ce soir, je suis venu te révolter. Pour que cette vie d'un piaka, cette vie de manquement d'argent puisse quitter ta vie. Je vais te donner les stratégies. Comment quitter cette vie de manquement d'argent? Comment quitter cette vie de pauvreté? Comment quitter cette vie d'un piaka? Parce que l'année prochaine, 2019, que quelque chose commence avec toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. My God. Parlez-moi. Quelqu'un dit, apôtre, parle et je parle. Quelqu'un dit, apôtre, annonce et j'annonce. Quelqu'un dit, apôtre, déclare et je déclare. Parce que ce soir, je sens une onction particulière. Écoutez-moi, mon ami, ne quittez pas. Je vais te donner les codes, les secrets pour que tu puisses avoir de l'argent dans tes poches. Peut-être que tu m'écoutes là. Tu es chrétien toute cette année. Tu as combien dans ton banque? Tu as combien dans ton banque? Il y a des gens qui m'écoutent ici toute cette année. Tu n'as même pas 2000 pounds dans ton compte bancaire. Mais tu es chrétien, tu pries, tu vas à l'église chaque jour. Tu jeûnes, tu pries. Tu n'as même pas 2000 euros ou 2000 dollars dans tes comptes bancaires. Tu es là, tu es bourré de dettes. Bourré de dettes, les dettes des gens, les dettes de la banque, ainsi de suite, bourré de dettes. Malgré que tu vas clôturer l'année, tu vas clôturer l'année avec des dettes. Mais ce soir, je vais te donner le secret comment quitter cette vie et entrer 2019 avec une autre dimension de gloire. Alléluia. Je voulais voir les chrétiens bénis. Je voulais voir les hommes de Dieu, les pasteurs bénis. Écoutez, un jour, ça m'a révolté. Un jour, un ami à moi ici à Londres, il m'appelle. Il me dit, apôtre Jimananga, est-ce que tu peux m'emprunter 200 livres? Parce que je voulais payer la salle le dimanche. Si je ne paye pas 200 livres le dimanche, nous n'allons pas prier. On va fermer la salle. Le païen qui est le propriétaire de la salle va fermer la salle. Donc les chrétiens louent chez les païens. S'ils ne payent pas 200 livres, ils vont fermer la salle le dimanche et ils ne vont pas prier. Ça m'a révolté. J'ai dit, homme de Dieu, mais non, ce n'est pas possible. L'église a fait déjà presque 16 ans d'existence. Comment une église de 16 ans n'arrive pas à payer la salle? N'arrive pas à ajouter 200 livres pour payer la salle? Et moi, je dois t'emprunter. J'ai dit à mon ami, je ne vais pas t'emprunter de l'argent. J'ai l'argent, mais je ne vais pas te prêter de l'argent. Pourquoi? Parce que si ton Dieu est Dieu, il faut qu'il agisse financièrement. Écoutez, David Oedepo a dit, tu ne peux pas endetter de l'argent pour une œuvre de Dieu, c'est une insulte à Dieu. Comment tu peux travailler? Comment tu peux faire l'œuvre de Dieu? Avec ma nyomo. Non. Je dis à mon ami, j'ai l'argent, mais je ne te donne pas. Va chez tes membres là, dis-leur, si vous ne donnez pas de l'argent, on va fermer la salle. Et lorsque je suis resté là où j'étais, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit non. On ne peut pas servir le Seigneur comme ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous disons que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Mais pourquoi l'or là et l'argent n'est pas entre nos mains? Dieu a l'argent, il a l'or. Mais pourquoi il n'y a pas le transfert de l'or et de l'argent? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que nous les chrétiens, nous ne faisons pas. Il y a quelque chose que les pasteurs, les apôtres, les prophètes n'ont pas révélé aux chrétiens. Il y a un secret qui est caché, que les pasteurs n'ont pas révélé aux chrétiens. Mais gloire au Seigneur, parce que Dieu m'a donné la révélation de ces choses. Comment être prospère financièrement? Écoutez, moi comme vous me voyez là, ce n'est pas de l'orgueil, je suis tellement humble. Et l'humilité connaît que je suis humble. L'humilité connaît que Jimananga est humble. Je le dis avec toute humilité, comme vous me voyez là. Moi, je connais le secret comment avoir la prospérité et je ne manquerai jamais de l'argent. Moi, je ne manquerai jamais de l'argent. Moi, je dis encore, je ne manquerai jamais de l'argent. Parce que j'ai compris deux choses.
J'ai traité alliance avec Dieu dans le domaine des finances et je sais comment utiliser mon cerveau pour gagner de l'argent. Écoutez, à partir de l'année prochaine, je vais commencer à vous enseigner le principe comment gagner de l'argent, comment investir et comment multiplier l'argent. Yes, bless you. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, à chaque moment que tu vas me voir à la télé, l'année prochaine, il faut m'écouter. Si tu veux prospérer financièrement l'année prochaine, si tu veux quitter cette vie du manque d'argent, je suis le prédicateur à écouter l'année prochaine. Gloire au Seigneur. Mais ce soir, je vais te donner les premiers codes pour que tu quittes cette vie de manquement d'argent. Et que cette vie d'impiète puisse te quitter totalement au nom de Jésus. Et que tu puisses toujours avoir l'argent dans tes poches. Alléluia. Mais comment toi, chrétien, tu vas à l'église le dimanche, tu pries, pendant que tu pries, pendant que tu adores, dans tes pensées, tu penses directement que, oh non, 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 j'ai la dette de quelqu'un, j'ai la dette de la banque. Mais tu ne veux pas prier bien, tu ne veux pas adorer bien, tu ne veux pas louer bien, parce que dans tes pensées là, tu penses à quelque chose d'autre. Dieu veut que lorsque tu viens dans sa présence, que tu sois libre, que tes pensées soient libérées. Gloire au Seigneur. Mon ami, écoutez ceci, personne qui m'écoute ce soir ne peut me dire qu'il n'aime pas l'argent. Nous tous, nous aimons l'argent. Parce que j'ai remarqué, il y a un domaine que l'église n'a pas réussi. Nous avons réussi dans le domaine de prophétiser. Nous avons réussi dans le domaine de parler en langue. Nous avons réussi dans le domaine de chanter et de prêcher. Mais dans le domaine des finances, nous les chrétiens, nous n'avons pas réussi. Nous avons échoué. Et Dieu m'a dit, ce domaine-là, les chrétiens sont encore paralytiques dans ce domaine-là. Et je suis venu relever les chrétiens dans ce domaine-là, parler des finances. Parce que lorsqu'on parle de l'argent à l'église, les gens croient que les pasteurs sont des escrocs ou les pasteurs veulent leur argent. Mais c'est pour ta bénédiction. Gloire au Seigneur. Mais ce soir, je ne vais pas te parler de l'argent comme les pasteurs vous prêchent toujours. Donne ta dîme, donne tes offrandes. Et ils arrêtent par là. Moi, je vais te montrer les comment. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit, apôtre, parle et je parle. Quelqu'un écrit, moi, dit, apôtre, annonce et j'annonce. Dit, apôtre, déclare et je déclare. Gloire au Seigneur. Écoutez ceci, mes amis. Nous devons savoir utiliser notre cerveau. Parce que c'est le temps où Dieu veut réellement bénir son église financièrement. Écoutez ceci. Alléluia. Je vous ai dit, les pays comme le Congo, c'est un pays riche. Nous avons l'or, nous avons les diamants, les cobalt, il y a tout au Congo. Mais regardez les pays comme ce pays que je suis, Angleterre ou Londres. Ils n'ont pas les richesses comme nous au Congo. Mais pourquoi ces pays prospèrent? Au Congo, les gens prient et jeûnent. Mais dans ce pays, les blancs ne prient pas, les jeunes pas. Mais pourquoi les pays prospèrent? Mais nous, notre pays ne prospère pas. Parce que les blancs, ils savent comment utiliser leur cerveau. Pendant que vous priez, vous jeûnez, et ils ont dit, vous jeûnez, vous priez, mais nous utilisons notre cerveau et nous prospérons. Et Dieu doit changer. C'est une erreur, gloire au Seigneur. Nous avons Dieu en nous, alléluia. La Bible déclare, celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Nous devons être les premiers, nous les chrétiens. Mais pourquoi dans le domaine des finances, nous sommes les derniers? Regarde toi qui m'écoutes, tu parles la langue, tu jeûnes, tu es intercesseur, tu es pasteur. Mais comme tu es là, tu travailles dans une entreprise d'un païen, n'est-ce pas? Ton boss là, c'est un païen. Ton boss là, c'est un franc-maçon. Ton boss là, c'est un démon. Tu travailles dans son entreprise, tu l'appelles le boss. Et lorsqu'il te dit que je vais te chasser du travail, tu vas commencer à trembler et tu vas commencer à pleurer. Alléluia. Karabo shintereria. C'est une erreur. Raison pour laquelle ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Alléluia. Il faut que les chrétiens possèdent les finances de ce monde. Gloire au Seigneur. Je sens l'onction de Dieu dans ma vie. Si vous voyez crier comme ça, parce qu'il y a quelque chose, je provoque quelque chose dans la vie de quelqu'un. Amen. Écoutez mon ami, maintenant je vais te donner le premier secret. Je vais te donner le premier secret pour que tu quittes cette vie de manquement d'argent en utilisant ton cerveau. Alléluia. La première chose c'est quoi? C'est le travail. Ça c'est le premier secret. Le premier secret pour quitter la vie du manquement d'argent, c'est le travail. Écoutez, le travail, c'est la porte d'entrée vers la prospérité, vers la vie financière. Le travail. Les chrétiens n'aiment pas ce terme ou ce mot, le travail. Parce que dans nos églises, nous les pasteurs, nous avons créé un système qui a rendu les chrétiens paresseux. Nous appelons les chrétiens de venir à l'église du lundi au dimanche.
Nous ne leur donnons pas la place d'aller au travail. Écoutez, mon ami, dans la vie, il faut savoir équilibrer. Nous, les pasteurs, alléluia, gloire au Seigneur, nous avons créé un système qui a appauvri les chrétiens. Si beaucoup de chrétiens sont pauvres aujourd'hui, c'est à cause de nous, pasteurs. Parce que nous voulons qu'ils soient à l'église tous les jours, du lundi au dimanche. L'église, intercession, chorale, chaque jour. C'est un système qui rend les gens pauvres. Alléluia. Il faut savoir équilibrer dans la vie, mon ami. Il y a le temps de prier. Il y a le temps d'aller à l'église et aussi le temps de travailler. Je reprends. Il y a le temps de prier, il y a le temps d'aller à l'église, il y a aussi le temps de travailler. Tu es là, tu te réveilles tous les jours à 5h avec un pasteur fatigué, un pasteur ignorant, un pasteur paresseux qui prie avec toi en ligne sur Facebook chaque jour à 5h. Chaque jour à 5h. Mais tu dois aller travailler à 7h. Tu dois aller travailler à 8h. Tu seras fatigué physiquement. Et lorsqu'on te chasse du travail, tu dis que mon boss, c'est un sorcier. Il n'est pas sorcier, c'est toi-même le sorcier de ta vie. Parce que tu ne sais pas utiliser ton cerveau. Gloire au Seigneur. Et vous, les pasteurs là, qui organisent des prières de 4h, de 5h, tous les jours, il faut arrêter ces choses, bien aimé. Il faut équilibrer. Priez avec les gens, mais 2 ou 3 jours dans la semaine, pas chaque jour. Les gens doivent aller au travail. Ils doivent travailler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le travail, ça va nous rendre prospères. Gloire au Seigneur. Nous devons équilibrer dans la vie. Nous devons équilibrer dans la vie. Il y a le temps de prier, le temps d'aller à l'église et il y a le temps de travailler. Les chrétiens sont devenus des paresseux. Ils sont là, retraite, retraite. Chaque semaine, retraite, retraite. Chaque mois, retraite, retraite, retraite. Mais regarde leur vie. Ils n'ont même pas l'argent. Ils sont bourrés de dettes. Ils sont des malheureux, cachés. Ils confessent, Dieu est mon père, je ne manquerai de rien. Mais regarde ta poche. Tu ne manques pas. Tu manques, n'est-ce pas? Ce soir, je suis venu arrêter cet esprit de fanatisme. Nous devons être des réalistes, gloire au Seigneur. Yes. Si ton Dieu est Dieu, il faut qu'il soit Dieu dans ta vie. Yes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Les gens sont devenus des paresseux. Mais ils ne veulent pas travailler. Et écoutez ceci. Les gens croient que le travail, c'est une malédiction. Je vous ai dit que le travail n'a jamais été une malédiction. Lorsque Dieu a créé Adam, dans le livre de Genèse, chapitre 1, la Bible dit, la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'était le travail. Ici, je vais corriger. Parce que la semaine passée, j'avais dit que la première bénédiction, la première grande bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'était le travail. Le Saint-Esprit m'a dit, corrige ça, mon fils. Je corrige ça. La première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'est le travail. Mais la première grande bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'est la femme. Tu as compris? La première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'est le travail. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit, cultive et garde les jardins. Cultivez! Cultiver veut dire quoi? Travailler. Yes, papa. Gloire au Seigneur. Oui. Avant le péché, l'homme travaillait déjà. Oui. Avant l'apparition de la femme, l'homme travaillait déjà. Le travail n'est pas une malédiction, le travail c'est une bénédiction. Tu dois être fier lorsque tu te réveilles le matin pour aller au travail. Sois fier. Gloire au Seigneur. Alléluia. Jesus Christ. Le travail. Le travail. Dieu lui-même, c'est un bosseur. Dieu lui-même nous a donné l'exemple qu'il est un travailleur. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé, il a travaillé. Et si vous lisez Genèse 1, la Bible dit, Dieu a créé, il dit, la lumière soit, la lumière fit. Les ténèbres soient, les ténèbres fit. Pendant 6 jours, Dieu a travaillé. Lui-même, le créateur du ciel et de la terre, il a travaillé pendant 6 jours. Dieu nous a donné l'exemple que lui-même, c'est un travailleur. Donc, c'est-à-dire, toi aussi, si tu es enfant de Dieu, tu dois être un travailleur. Travaille. Gloire au Seigneur. Alléluia. Écoutez, mes amis, ça, c'est la première dimension pour expérimenter la vie financière. La première dimension pour quitter cette vie de manquement d'argent, c'est le travail. Ne considérez pas que le travail, c'est une malédiction. Le travail, c'est une bénédiction. Gloire à Dieu. Maintenant, ce soir, je vais te donner, alléluia, quelqu'un me dit, apôtre, parle, et je vais parler. Parce que je voulais te donner 4 raisons pourquoi travailler. 4 raisons. Oh, ce message, c'est dangereux. C'est dangereux ce soir. C'est dangereux ce soir. C'est dangereux ce soir. Écrivez-moi, encourage-moi, parce que je vais parler ce soir. Gloire au Seigneur. Dieu a créé Adam et il lui a donné les jardins pour travailler.
Alléluia. Dieu a créé l'environnement de l'homme avant de créer l'homme. Dieu a créé l'environnement de l'homme avant de créer l'homme. Laisse-moi vous donner les quatre raisons pourquoi travailler. Les quatre raisons pourquoi travailler. Alléluia. Première raison. Dieu a donné à l'homme le travail avant de lui donner la femme. Ça, c'est la première raison. Genèse chapitre 1, verset 28, tu peux lire. Gloire au Seigneur. Écoutez, l'homme est attaché au travail comme il est attaché à la femme. Ici, je parle aux hommes. Pas les hommes avec H minuscule, mais je parle aux hommes avec H majuscule. Les hommes avec H majuscule aiment le travail. Ils sont attachés à leur travail comme ils sont attachés à leur femme. Raison pour laquelle vous allez remarquer, les hommes H majuscule, lorsqu'on les chasse du travail, lorsqu'il perd son travail, il est tellement abattu. Il sera tellement abattu. Pourquoi? Parce que l'homme est lié au travail. De la même manière qu'il est lié à la femme. Parce que Dieu a donné à l'homme le travail avant de lui donner la femme. Gloire au Seigneur. Dieu lui a dit de cultiver. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maintenant, écoutez ceci. Écoutez ceci. Vous les hommes qui aimez que les femmes vous nourrissent, vous êtes des moumous. Vous les hommes qui aimez que les femmes vous nourrissent, vous êtes des moumous. Des paresseux. Je vous appelle des moumous. Toi, homme, tu ne veux pas travailler. Tu es là à la maison en train de faire, de mettre les chocos. Tout ce que tu connais, c'est les mettre les chocos. Ami, partout, tu ne travailles pas. Tu laisses ta femme d'aller au travail le matin, de revenir le soir, de préparer pour toi. Toi, tu restes à la maison avec ton gros ventre là. Tu attends que ta femme puisse te nourrir. Tu n'es pas un homme, tu es moumou. Tu es moumou. Dieu n'a pas créé la femme pour nourrir l'homme. Dieu a créé l'homme pour nourrir la femme. Yes. Gloire au Seigneur. Dieu a créé l'homme pour prendre soin de la femme. Pas la femme de prendre soin de l'homme. Alléluia. Toi, un homme, comment tu peux laisser ta femme d'aller au travail et toi, tu es à la maison? Tu es là sur l'internet, en train de regarder des trucs sur Facebook. Pendant que ta femme est là en train de travailler. Et quand elle revient, elle te donne à manger. Et tu es la même personne qui frappe encore cette femme-là. Tu es la même personne qui va quelque part avoir d'autres copines à côté de ta femme. Alléluia. Et toi, la femme, écoutez, vous les femmes qui nourrissent les hommes, il faut cesser cela. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et toi, l'homme, ne laisse pas que la femme puisse te nourrir. Toi, homme, tu dois travailler. Prends soin de ta femme, prends soin de ta famille, prends soin de tes enfants. Gloire au Seigneur. Il n'y a que deux raisons qu'une femme peut nourrir l'homme. La première chose, lorsque l'homme est malade, s'il est malade, il ne peut pas travailler. Là, la femme peut prendre soin de lui. Ou deuxième raison, s'il a perdu son travail temporairement, la femme peut prendre soin de lui. Yes. Mais à part ces deux raisons, la femme n'a pas le droit de s'occuper de l'homme. Alléluia. Et vous les femmes, gloire au Seigneur. Halabobo, chante. Oh, je dois... Quelqu'un me parle, apôtre, je parle. Alléluia. J'ai des choses à vous dire ce soir. On va se parler ce soir. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'homme qui ne travaille pas, il est moumou. Moumou. Un paresseux. Réveille-toi le matin, mon ami. Va au travail. Quitte la maison. Alléluia. Va au gym. Fais quelque chose. Alléluia. Avec ton gros ventre, là, tu restes à la maison. Tu attends que ta femme puisse te nourrir. Moumou. Gloire au Seigneur. Et maintenant, ici, je vais parler aux femmes qui travaillent, mais qui nourrissent leurs copains en Afrique. Il y a aussi des femmes comme ça. Il est ici en Europe, en Amérique, il travaille, mais il a un copain de 25 ans à Kinshasa, en Afrique du Sud, au Maroc. Et lui ici, il envoie de l'argent chaque jour à ce copain-là. Tu es... Je t'appelle Mamou Magnifique. Aïe. Tu es vraiment Mamou Magnifique. Une femme comme ça, c'est Mamou Magnifique. Oh là là. Toi, tu travailles ici. Le matin, tu te réveilles. Avec le froid de l'hiver, tu gagnes ton argent. Et tu prends ton argent, tu envoies à un copain qui est au Cameroun. Un copain qui est au Maroc. Un copain qui est en Afrique du Sud. Et quand tu appelles ce copain-là, et toi, une maman de 50 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu travailles ici, tu as un copain de 25 ans. Yo, maman, on a l'ingala pour Simba bien. Yo, maman, elle m'a collé à 55 ans.
osala ka awa na poto mozala kopé na Afrique asa na 22 ans 25 ans yom to lesa kai mais osa mamu magnifique. Et pendant que tu fais ça, pendant que tu fais ça, tu as besoin de la copie la mbongo. Alléluia. Copie, on a sache que, il n'y a pas de copie na yena na Kinshasa. Il n'y a pas de copie na yena na Maroc. Il n'y a pas de copie na yena na Afrique du Sud. Donc, bon, on a besoin de la copie na yena na yete, on a besoin de la copie na yena. Rich. Alléluia. Mamou magnifique. Pendant que tu es là, tu envoies de l'argent et tu l'appelles aussi au téléphone. Une maman de 55 ans, de 60 ans en Europe, il appelle un jeune homme à Kinshasa de, 20, de 25 ans, un jeune homme en Afrique du Sud de 22 ans. Chérie, chérie, on l'a moqué bien, chérie. Chérie, na missio. Chérie, na lela yo, chérie. Et lui aussi, le petit garçon. Bébé Nangaï. Oui, qui est la canne, yo. Pendant qu'il te dit que bébé Nangaï, sa copine est à côté. Et sa copine dit, l'obéla, pèse-moi le bakitoko, pèse-moi le bakitoko. Et toi aussi, tu es là, bébé, nanga, tout le monde a son colonie, Nico. Attends la vidéo, tout le monde a quoi, bébé. Et le garçon dit, mais toi aussi, au moins, il y a la vidéo, semaine passée, il y a un monde, tu es là, 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 tu Tina sous 200 euros. Et la copine à côté, a zoé bisa, copine à Wana. Yébisa, laissez ça mouke. Yébisa, 300. Yébisa, 300. Wana baso seka. Et toi, tu crois? Oh Jésus. Et toi, tu crois que ce jeune homme-là t'aime. Et tu vas travailler ici, travailler, travailler. Tu gardes de l'argent. Tu fais appeler les jeunes hommes à l'Europe ou en Amérique. Au ben ici, la poto. T'as envoyé la poto. La première chose qu'il va faire. Il commence à garder de l'argent pour aben sa copine. Oh, y'a tika kuna na mboka wana. Parce que son cœur n'était pas avec toi. Il avait besoin de toi pour l'argent. Son cœur est avec sa copine. Arrêtez ces choses. Sois intelligent. Utilise ton cerveau. Come on. Maman magnifique. Réveille-toi. Réveille-toi, maman magnifique. Réveille-toi. C'est pour. Mais votre argent, c'est pour les petits copains d'Afrique. Toi-même ici, tu n'as même pas l'argent. Alléluia. Tout ton argent, tu envoies à un jeune homme là, de 22 ans, de 25 ans. Et quand tu vas la faire à venir ici, il te quitte après une année, tu commences à dire, ah, na baika maman na ngamta sandoki, yemta zo lukangai, koko na biso na village, yekamta zo sala makambo. Non, 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 non. C'est pas ta mère, c'est pas ta grand-mère, mais c'est toi-même la sorcière de ta vie, mamou magnifique. Réveille-toi. Gloire au Seigneur. Réveille-toi. Harabo shanda. Est-ce que je peux parler ce soir? Alléluia. Salut la âge, Chico. Salut la âge. Ton argent, dans ton âge là, moi j'encourage toujours cette femme là. Si tu as besoin de quelqu'un, cherche ici en Europe, il y en a des hommes. Cherche ici en Amérique, il y en a. Il y en a. Cherche ici. Parce que, ah, c'est que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous perte na mbongo tini la ye perte ko bengi sena poto yo to sali perte pete zio 5 pete zio 10 ans na la sali perte yo utilise ton cerveau come on mamou magnifique alléluia est-ce que je peux parler ce soir ah je voulais lire un peu le message parce que c'est chaud ce soir alléluia quelqu'un me dit apôtre avance et j'avance quelqu'un me dit apôtre parle et je parle halabo shinda. Quelqu'un me dit, apôtre, déclare et je déclare. La deuxième raison, pourquoi il faut travailler? Le travail vous rend productif. Le travail vous rend productif. Dieu a dit à l'homme, cultiver la terre, mais il a aussi dit à l'homme, multiplier. Multiplier veut dire être productif. Lorsque tu es productif, tu rends quelque chose meilleur. Alléluia. Lorsque tu es productif, tu auras quelque chose meilleur. Par exemple, un menuisier. Un menuisier, il est productif. Il peut prendre les bois et transformer les bois en chair ou en table. Vous voyez? Cela veut dire qu'il est productif. Il a rendu quelque chose meilleur. Parce que toi, tu as vu les bois, mais après des jours, lorsque tu vas revenir, ce n'est plus les bois, c'est maintenant les chaises, les tables. Donc, c'est-à-dire qu'il est productif. Le travail te rend productif. Parce que Dieu veut que tu sois productif. Il a dit multiplier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans un autre terme, soyez productif. Et le travail te rend productif. Écoutez, c'est par le travail que tu vas découvrir les dons et les talents que Dieu a déposés en toi. Amen.
Lorsque tu travailles, tu vas découvrir ton talent. Et lorsque tu découvres ce talent, c'est alors que tu vas devenir productif. Je dois aller rapidement. Il me reste combien de temps? Non, vas-y. Come on, speak up. Gloire au Seigneur. Écoutez, Dieu veut que tu sois productif. Le travail vous rend productif. Troisième raison. Le travail t'aide à te connaître. Le travail t'aide à te connaître. Si tu veux te découvrir qui tu es réellement, commence seulement à travailler dans les domaines que tu veux travailler. Lorsque tu travailles, tu vas découvrir les talents que tu as. Le travail t'aide à te connaître. Écoutez ceci. Aristote, qui est le grand philosophe grec, Aristote a dit ceci, je cite, il a dit, se connaître, c'est le commencement de toute sagesse. Aristote a dit, se connaître, c'est le commencement de toute sagesse. Donc, c'est-à-dire, dans un autre terme, si tu veux être sage, si tu veux être intelligent, si tu veux utiliser ton cerveau, tu dois apprendre à travailler. Parce que le travail va t'aider à te connaître qui tu es réellement. Pendant que tu travailles là, pendant que tu travailles, tu vas te découvrir. Tu vas découvrir les talents que Dieu a déposés en toi. Tu vas découvrir les dons que Dieu a déposés en toi en travaillant. Mais si tu es paresseux, tu ne travailles pas, tu ne vas pas découvrir la chose que Dieu a déposée en toi. Révèle-nous qui tu es réellement. Révèle-nous qui tu es réellement. Révèle-nous qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde. C'est par le travail que tu vas révéler au monde qui tu es réellement. Écoutez, Bill Gates, il a travaillé. Il a travaillé et il a produit quoi? Les computers et toutes ces choses que nous avons, que nous utilisons, la technologie qui est avancée aujourd'hui, c'est à cause de cet homme. Il a travaillé, il s'est découvert et il a exploité son talent et nous bénéficions de son talent. Le monde a besoin de bénéficier de ton talent. Le monde a besoin de bénéficier de ton don. Mais la seule façon que le monde peut bénéficier de ton talent et de ton don, c'est en travaillant. Alléluia. Dans les domaines que Dieu t'a appelé. Alléluia. Et sois fier de ton travail. Sois fier de ton travail. Parce que le travail t'aide à te découvrir. Écoutez. La destinée d'un homme se révélera par son habileté à travailler. La destinée d'un homme se révélera par son habileté à travailler. Ce que Dieu t'a destiné à être, c'est le travail qui va le révéler. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous donne la quatrième raison. Et peut-être je vais clôturer par là. Écoutez, ne quittez pas s'il vous plaît, parce qu'à la fin, je vais vous donner quelque chose qui va vous bénir. La quatrième raison, pourquoi il faut travailler? Le travail détruit les complexes d'infériorité. Amen. Le travail détruit les complexes d'infériorité. Celui qui travaille ne souffre pas de complexes d'infériorité. Celui qui travaille ne souffre pas de complexes d'infériorité. Si tu veux détruire les complexes d'infériorité dans ta vie, commence seulement à travailler. Parce que celui qui travaille joue juste de la vie. Il va se jouer de la vie. Gloire au Seigneur. Parce qu'il libère la chose que Dieu a déposée en lui. Écoutez mon ami. Tu dois être content lorsque tu te réveilles le matin pour aller au travail. Ici, je voulais t'aider à quelque chose qui va t'aider dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent. Ils aiment les week-ends. Ils aiment les samedis et les dimanches. Mais ils n'aiment pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Beaucoup de gens n'aiment pas du lundi au vendredi. Mais ils aiment le week-end parce que c'est le temps de repos. Mais tu dois aussi aimer le lundi jusqu'au vendredi. Parce que ce sont les jours que Dieu t'a donné pour être productif, pour détruire les complexes d'infériorité. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui n'aiment même pas le lundi. Parce qu'ils disent, mais je me suis reposé le week-end, le lundi vient encore, je dois aller au travail. Sois content. Aime le lundi. Aimez le lundi. Le lundi, c'est un jour que Dieu t'a donné pour être productif. Lorsque tu te réveilles le matin, le lundi, pour aller travailler, sois content. Bénis Dieu. Dis, c'est un jour que le Seigneur m'a donné. Je vais aller travailler. Sois content. Enlève cet esprit-là, que le lundi, c'est un mauvais jour. Enlève cet esprit-là, que le mardi, c'est un mauvais jour. Tous les jours que Dieu t'a donné, c'est pour être productif. Bénis le Seigneur. Gloire au Seigneur. Halabouche. Gloire à Dieu. Sois content lorsque tu te réveilles le matin pour aller au travail. Écoutez ceci. Sois dans la joie lorsque tu vas au travail. Maintenant, je vais te donner quelques conseils qui vont t'aider.
Considère toujours que ton travail actuel est une adresse temporaire, car un jour, tu auras ton propre entreprise. Pendant que tu travailles dans ton travail là que tu fais, le travail que tu fais, ton travail là, ce n'est pas une adresse permanente. Ton travail, considère toujours que ton travail, c'est un lien temporaire qui t'aide à être formé pour qu'un jour, tu montes ton propre entreprise. Écoutez mes amis, Dieu ne t'a pas créé ou tu n'es pas venu dans ce monde pour être que travailleur de quelqu'un. Toute ta vie, travailleur de quelqu'un. Non. Un jour, il faut que tu deviennes boss. Yes. Un jour, il faut que tu deviennes patron. Yes. Tu as ta propre entreprise. Pendant que tu travailles là, considère ton travail comme le lien, l'école de la formation. Yes. Que je suis en train d'être formé, un jour j'aurai ma propre entreprise. Alléluia. Même dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, l'argent que je vais garder dans ce travail ici que je travaille actuellement me prépare pour l'avenir. Alléluia. Et écoutez ceci, ne reste pas collé dans ton travail du présent. Il faut toujours avoir l'œil prophétique, utiliser ton cerveau pour avoir d'autres opportunités. Parce que si tu es trop attaché à ton travail que tu fais là pendant 10 ans, 15 ans, tu vas louper ou rater d'autres opportunités. Dans ton travail, il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent de gauche à droite, mais comme tu es tellement focalisé sur ton travail, tu n'auras pas l'opportunité de saisir d'autres, tu n'auras pas l'occasion de saisir d'autres opportunités qui sont autour de toi. Gloire au Seigneur. Considère toujours que ton travail, c'est une école de formation et tu es là temporairement. Un jour, tu auras ton propre compagnie. Alléluia. Gloire au Seigneur. My God. Rebobo Sharaba. Et aussi, lorsque tu vas au travail, je voulais enlever ce mauvais concept. Je voulais enlever ce mauvais concept. Parce que lorsque tu poses la question à quelqu'un, pourquoi tu vas au travail? Il va directement te dire que je travaille pour avoir de l'argent. Beaucoup de gens travaillent que pour de l'argent. Ça, c'est pas la première raison du travail. Si tu travailles que pour de l'argent, tu seras dépaysé. Tu seras fatigué. C'est pourquoi beaucoup de gens quittent leur travail. Pourquoi? Parce qu'ils voient que l'argent. Lorsqu'on refuse d'ajouter le salaire, il quitte son travail. Parce que lui, il travaille pour l'argent. La première raison que tu dois travailler, ce n'est pas d'abord pour l'argent, mais c'est d'abord pour maximiser le potentiel que Dieu a déposé en toi. Amen. Alléluia. Oh, ça c'est une conférence. Wow. La première raison que tu vas au travail, c'est pour maximiser le potentiel que Dieu a déposé en toi. Peu importe le salaire qu'on te paye, sois content parce que tu es en train de maximiser ton travail. Et n'oubliez pas que tu es là temporairement. Oh. Écoutez ceci. Maintenant, je voulais parler aux gens qui travaillent, mais qui ne bénéficient pas les fruits de leur travail. Je déclare la prospérité dans ton travail. Je déclare la faveur dans ton travail. Je déclare la grâce dans ton travail. Que tu puisses jouir du fruit de ton travail. Réjouis-toi du fruit de ton travail. Parce que les gens qui travaillent 10 ans, mais ils n'ont pas toujours l'argent. Ils travaillent 15 ans, ils n'ont pas toujours l'argent. Ils travaillent, on leur paye le salaire à la fin du mois. Mais après 10 jours, ils n'ont plus l'argent. L'argent est parti. Il y a d'autres personnes, avant même qu'ils reçoivent le salaire, cet argent est déjà parti. Je suis venu arrêter cet esprit dans ta vie au nom de Jésus. Et que ton travail soit prospère. Que tu puisses manger les fruits de ton travail au nom puissant de Jésus. Sois prospère dans ton travail. Gloire au Seigneur. Alléluia. Écoutez ceci. Si tu fais un travail qui ne produit rien, assis-toi, fais un plan pour sortir de cela. Parce que ton travail doit produire quelque chose. Parce que c'est la première porte que Dieu t'a donnée pour entrer dans la dimension de la prospérité et de quitter l'esprit de manquement d'argent. Gloire au Seigneur. Mais si tu travailles, à la fin du mois, tu gagnes de l'argent, mais ton argent-là, ça ne te bénéficie pas. Tu ne joues pas de ces fruits-là. Assieds-toi. Calcule bien. Qu'est-ce qu'il te faut pour quitter cette dimension-là? Parce que Dieu veut que tu jouisses du fruit de ton travail. Gloire au Seigneur. Quelqu'un me dit, apôtre, parle et je parle. Écris-moi, apôtre, parle et je parle. Quelqu'un m'écrit, dit, apôtre, annonce et j'annonce. Gloire au Seigneur. Maintenant ici, je voulais vous choquer. Alléluia. Quelqu'un dit, apôtre, choque-nous. Je voulais vous provoquer. Quelqu'un dit, apôtre, provoque-nous.
Oh, I love you, Jimananga. I love you, Jimananga. I love you. Tu parles bien. Oh, Jésus. Écoutez, maintenant je voulais aider le pasteur qui ont l'église, qui ont une église. Ils ont une église, mais ils ne bénéficient pas du fruit de leur ministère. Écoutez, je vais te parler, pasteur. Écoutez, il y a des pasteurs qui sont là, qui m'écoutent. Il a une église, mais c'est lui qui paye la salle de l'église. Mais comment ça? Dieu t'a donné la vision. Mais comment toi-même tu devais la provision de la vision? Parce que Dieu, quand il donne la vision, il donne aussi la provision. C'est pourquoi je dis au pasteur qui paye la salle de l'église elle-même, ces gens-là de ton église-là ne méritent pas ton ministère. Yes, ils ne méritent pas ton ministère parce qu'ils bafouent le travail que tu fais pour Dieu. Toi, pasteur, tu ne peux pas payer la salle pour tes membres. Tu es là, tu pries pour eux, tu prêches la parole, tu leur prêches la parole et tu payes encore la salle pour eux. Ça, c'est une malédiction. Et ces gens-là ne seront pas bénis. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises, ils ne sont pas bénis. Parce qu'ils ne contribuent pas dans l'œuvre de Dieu. Écoutez, lorsque Dieu a donné la vision à Moïse, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, construis le tabernacle selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Mais ce n'est pas Moïse qui a bâti le tabernacle. C'était Bezalel et les autres. Moïse est venu avec la vision, mais c'était Bezalel et les autres qui ont construit le tabernacle. Toi, pasteur, tu as la vision de bâtir l'église, mais ce n'est pas toi qui vas payer la salle de l'église. Ce sont les membres qui sont venus pour soutenir la vision qui doivent payer la salle de l'église. Comment toi, pasteur, chaque mois, tu ajoutes 500 livres, tu vas mourir pauvre si tu continues comme ça. Je te dis la vérité. Il y a des pasteurs qui sont là, ils sont piaques. Pourquoi? Parce que c'est lui qui paye la salle. Et les membres sont là, ils ne font absolument rien. Gloire au Seigneur. Et vous les membres, si vous ne contribuez pas au paiement de la salle, vous êtes maudits et vous êtes des sorciers. Gloire au Seigneur. Pasteur, écoutez, pendant que toi tu donnes de l'argent pour l'œuvre de Dieu, pendant 5 ans, pendant 7 ans, sache que les membres de cette église-là, ils construisent des maisons en Afrique. Ils font des choses en Afrique. Et toi tu vas mourir pauvre. Jésus ne t'a pas appelé pour mourir pour les brebis. Parce que Jésus lui-même est mort pour les brebis. Gloire au Seigneur. Écoutez ceci. Lorsque tu investis ton argent à l'église et que ces gens-là ne donnent absolument rien, moi je te le dis, moi apôtre Jimananga, je me permets de te le dire, ferme cette église-là, il ne mérite pas ton travail, il ne mérite pas ton ministère. Vous devez savoir, il y a une différence entre l'église locale et le ministère. L'église locale peut se fermer lorsque les choses ne marchent pas, mais le ministère ne se ferme jamais. Alléluia. Parce que le ministère c'est en toi. Partout ça peut sortir, même dans les déserts. L'église locale se ferme. Bino pasteur, laisse-moi dire ça les gars là. Bino pasteur bozalaka, quand ba tuba mona ki osan l'église, ba tuba mona ka osan l'église, mozo souffrir. Yo mo te foutre à ça. Chaque mois ba sera 800 livres, 1000 livres, chaque mois, calculer ce que chaque mois, on peut sera 800 multiplié par 12. Combien? Sois intelligent, utilise ton cerveau pasteur. Ba tu en nengo là, ba mériter ministère na hôte. Ba mériter musala na yote. Ferme ça, ferme cette église là. Il ne mérite pas ton ministère. Il ne mérite pas ta vision. Gloire au Seigneur. L'église locale, c'est bien ma pasteur qui a sonné. Et ce que je veux dire, c'est que je veux dire, je veux dire, mais nous sommes les autres à la nous sommes bien que nous sommes tous bons, nous sommes tous bons à l'église. C'est pas Dieu t'a pas appelé à faire ça. Dieu t'a pas appelé à faire ça. Fais ton ministère. Il y a une différence entre l'église locale et le ministère. Mais l'église où Paul a implanté, mais l'église comme l'église à Corinthe, l'église d'Éphèse, toutes ces églises, est-ce que l'église où les a-t-il là? Existent-ils là? Et c'est Silas. L'église locale est Silaka. Mais l'église Silaka est un ministère. Pas l'église universelle. Mais l'église locale est Silaka. Si vous avez dit, vous avez délivré vos pasteurs là. Gloire au Seigneur. On sait où nous offre. Combien de pasteurs vous avez dit? Apôtre, vous avez dit, on a foutu ça l'église. Apôtre, ils ont souffert. Ils ont dit mieux à foutre la salité. Ils ont foutre la mort. Ils ont dit mieux à chaque mois, ils ont 600 livres, 1000 livres. Ça, ils ont pendant une année, ça, ils ont pendant 5 ans. Ils ont dit toujours un piaka. Mais ils ont dit mieux, ils ont prospéré. Un jour, ils ont dit mieux, ils ont en Afrique. Ils ont foutu la bataille, ils ont dit mieux, ils ont dit mieux. Ils ont dit mieux, ils ont dit mieux. Utilisez ton cerveau. Ils ont dit mieux. Ils ont dit oh Jésus, gloire au Seigneur. Utilisez ton cerveau. Si l'église ne contribue pas, ferme ça. Entre dans ton ministère, fais ton ministère. Dieu sera avec toi et tu seras calme. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses faire son œuvre avec angoisse. Nami lelo,
Même message au hôtel, bon dimanche. Et écoute, tata, raison pour laquelle beaucoup de membres ne sont pas bénis, parce que pasteur dans un hôtel, il est bourré de problèmes. Bourré de problèmes, parce que comment il va prêcher? Comment il va bien prêcher? Alléluia. Qu'on se dise la vérité, frère. Et comme il t'a fait tout le monde à la vérité. Moi, je parle. Dans la banque à Moutouté, je parle. Je suis apôtre. Lorsque je parle, je parle. Je dis au pasteur encore, je reprends. Ceux qui vont éliminer en église, Moussala n'a pas respecté en côté. Il ne va pas foutre la saleté. Ferme cette église-là. Il ne va pas côté Moussou parce qu'il va mériter ministère en côté. Il va mériter vie en côté. Gloire au Seigneur. Halaba ou chante. Et fais ton ministère. Tu seras à l'aise. Et tu auras de l'argent. Gloire au Seigneur. Utilisez ton cerveau. C'est ça, utilisez ton cerveau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoutez, peuple de Dieu. Ah, j'ai des choses à dire vraiment. Oh, Nzambe. J'ai des choses à dire ce soir. Je vous ai donné quatre raisons du travail. Le travail ouvre la porte pour entrer dans la dimension de la prospérité. C'est le premier secret que Dieu m'a donné. Et j'ai encore d'autres secrets que je garde. Parce que moi, vous me voyez là. Comme vous me voyez là, Dieu m'a révélé. Je vous ai dit, ça fait 24 ans que je suis prédicateur. Mais dans mes 24 ans, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu Dieu faire tomber de l'argent du ciel. Boum! 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 L'argent tombe du ciel. Boum! Je n'ai jamais vu ça. Il y a des secrets, il y a des codes. Il y a des choses qu'il faut faire, que moi je connais, mais je vais garder ça, je vais révéler cela l'année prochaine. 2019, je vais parler que de l'argent. Je vais vous enseigner comment gagner de l'argent, comment investir, comment multiplier de l'argent. Gloire au Seigneur. Pour que tu quittes cette vie de manquement d'argent, cette vie d'impiaka, que tu quittes cela au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Préparez-vous l'année prochaine. L'année des percées financières. Quelque chose se passe. Alors, je voulais clôturer par ceci. Écoutez, nous devons utiliser notre cerveau. J'ai dit la capacité de ton cerveau détermine ta réussite ou la dimension de ta réussite. Mais écoutez ceci, il y a une chose que j'ai compris. Chez nous les chrétiens, pourquoi les chrétiens sont vraiment pauvres? Nous aussi les pasteurs, nous avons fait un mauvais travail chez les chrétiens par rapport au message que nous prêchons. Dans nos églises, surtout ces derniers temps, les gens parlent que des démons, parlent que des sorciers, parlent que des jeûnes, parlent que des prières, et parlent que des repentances. Obéissez à Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a écrit lorsque je parlais de l'argent. Quelqu'un m'a écrit, il dit, apôtre, on a besoin du message de la repentance. Il faut nous prêcher la repentance. Il faut nous prêcher Jésus bienvenu. Écoutez, moi depuis que je suis dans les choses de Dieu 24 ans, on m'a toujours parlé de Jésus revient bientôt. Jésus revient. Ça fait 24 ans, j'attends Jésus, il n'est pas encore revenu. Donc c'est-à-dire, il y a des choses que je dois faire. Gloire au Seigneur. Peut-être que Jésus venait à 20 ans, peut-être à 30 ans. Donc je ne dois pas être paresseux, ne faire absolument rien, attendre que Jésus va revenir. Jésus va revenir, mais en attendant, je travaille, je fais des choses. Parce que je suis encore sur la terre. Gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, il dit, il faut nous prêcher la repentance. Il faut nous prêcher de quitter les péchés, les péchés. Donc toi, comme tu es là, tu ne connais pas que les péchés c'est mauvais. Toi, moi je dois te rappeler. Moi, je dois venir te rappeler à chaque fois qu'il faut abandonner les péchés. Toi-même, tu ne connais pas que Rotong Ezamabe. Tu ne connais pas. Donc moi, je dois me mettre ici pendant une heure, n'a rappeler que Rotong Ezamabe. Ça, c'est la dimension pour les bébés spirituels. Les gens qui sont dans une autre dimension, ils ont déjà quitté cette vie-là. Parce que lui-même, il sait, il craint Dieu, il a la puissance, autorité sur les péchés. Tu n'as pas besoin de me rappeler, péché. Tu n'as pas besoin de me rappeler ces choses-là. Parce que j'ai vu même les gens qui mettent la sainteté, mais ils sont toujours pauvres avec sa sainteté. Il y a des gens qui sont pauvres avec sa sainteté. Il y a des gens qui sont pauvres, qui n'ont rien, ils manquent d'argent. Il est bourré de dettes avec sa sainteté. Pourquoi ta sainteté n'a pas mis de l'argent dans ta poche? Gloire au Seigneur. Oh Jésus. Écoutez ceci, mes amis. Nous, les pasteurs, ce système-là de prédication que nous prêchons toujours, si les choses qui sont éphémères, primaires, ça ne rend pas les chrétiens forts. Je parcourais Facebook, je parcourais les réseaux sociaux, et je regardais les thèmes que les pasteurs prêchent. Mettez sur leurs affiches. Écoutez le genre de thème. Et vous allez comprendre pourquoi les chrétiens sont pauvres.
Écoutez ce genre de thème. Et vous allez comprendre pourquoi les chrétiens sont pauvres. Écoutez thème. Destruction des alliances sataniques imposées dans ta famille. 2. Comment gérer les rêves. 3. Tuer les sorciers de ta famille. Voilà ma thème. 4. La sorcellerie et ses conséquences. 5. La délivrance des mauvais héritages. 6. La délivrance sur les réclamations sataniques. 7. Sortir des situations honteuses. 8. Les clés pour détruire les complots sataniques. 9. Le feu contre les feux sataniques. 10. Détruire les plateaux du diable. 11. Les causes de maladies démoniatiques. 12. Comment déloger les installations des sorciers dans ta famille. Pasteur, si nous continuons avec de tels messages, les chrétiens seront toujours pauvres, même après 20 ans. Je vous dis la vérité. Parce que tout est centralisé, focalisé sur les sorciers et sur les démons. Donc, ils n'ont même pas le temps d'aller chercher, utiliser leur cerveau, comment ils peuvent devenir forts financièrement. Comment ils peuvent exceller dans la vie. Ils ont toujours peur des démons. Écoutez, ce message-là des sorciers et des démons, la femme qui a mené ce message, paix à son âme, ça fait presque 32 ans. Aller dans cette église-là, comptez s'il y a des riches dans cette église-là. Allez dans cette église. Ils ont prié. Hey, délivrance. Hey, combat. 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 Hey, démons. Démons. Hey, fais. 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 Pendant 32 ans, ils ont dit fais. 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 Mais ils sont toujours pauvres. 32 ans après. Oh. Si vous continuez comme ça, vous allez demeurer dans cette dimension-là. Il faut monter un peu. Il faut que je parle de vos choses qui vont bouleverser votre vie, qui va ouvrir ton intelligence, afin que tu utilises ton cerveau, afin que tu entres dans cette dimension de la prospérité. Parce que Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu quittes cette vie de dette. Comment tu pries avec des dettes? Mais tu pries, tu vas à l'église, tu chantes, tu fais des choses. Oh, ça me l'a bien dit. Mais lorsque tu as ton argent dans tes poches, même ta façon de prier va changer. Je vous dis la vérité. Même ta façon de prier va changer. Ta façon même de servir Dieu va changer. Oh Jésus. Gloire au Seigneur. Utilisez votre cerveau. Sois intelligent. Sois intelligent. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je déclare la prospérité dans ta vie. Je détruis le manque d'argent dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare l'argent dans tes poches, dans tes mains, dans ta maison, au nom de Jésus. Que tu ne manques plus jamais de l'argent, au nom puissant de Jésus. L'année 2019, que tu entres dans une dimension de la prospérité financière, au nom puissant de Jésus. Sois fort, je te déclare ce soir, fort financièrement. In Jesus' mighty name. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo avec vos abonnés. Partagez cette vidéo avec vos amis. Bénis quelqu'un avec cette vidéo parce que c'était dangereux ce soir. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Finis l'année avec Jésus. Entre l'année 2019 avec Jésus. Mais sache que l'année 2019, apôtre ne parlera que de l'argent. Oh, à connaît pas, à demander. À connaît pas, à demander. À connaît pas, à demander. Que le Seigneur vous bénisse.